up in a thing. Hey. Qu'est-ce qu'il pique à faire? Ouh! On fait un rush là. Ah, il est beau. Belle truite. Allez. Ouh. Allez. C'est décroché tout de seul. Allez, ma fille. Hop. Voilà, je suis sur un chiro émergent. Hein. J'ai des trucs qui marchent sous une heure, donc on s'amuser sur des gobages. Voilà. Allez ma belle, hop. Et allez, c'est parti. Oula, ah, ça défend bien. Eh bien, ma jolie. On va changer de technique. Je passe ce soit intermédiaire. Et ici. On a des beaux poissons, hein. Ça c'est joli ça. Elle est grosse celle-là. Pas comme sur l'affaire ça. Allez ma belle. Allez sous. On surveille le bout de la canne. Hein. Si on voit que ça tire, voilà, on lève, on ne ferre pas parce que si on lève, si vous ferrez, vous cassez, donc vous faites que lever la canne, ça suffit. Vous alternez les tirées, vous faites des tirées courtes, vous tricotez, enfin vous faites un peu, voilà. Il faut alterner un peu, des fois elles prennent quand c'est statique, des fois elles prennent quand vous animez, des fois quand vous animez pas, enfin bref, il faut varier les...
prends du vin l'autre là. Qu'est-ce que c'est que je tiens là? C'est quoi, c'est un Black Bass? C'est une carpe quoi. Alors Kiro. Voilà, petit Kiro. C'est de libérer le poisson d'abord. Voilà. D'autres pêcheurs aussi qui font qui s'abonnent à ce plaisir, la pêche en réservoir hein. Tout le monde pratique un peu des styles différents, puis on prend toujours plus ou moins de poissons suivant la technique. Il faut être appliqué parce que la pêche en réservoir quand même hein, c'est assez compliqué. Ah, il a un petit message. Ça mord ou ça mord pas. C'est difficile.